Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. Nouveau report des élections législatives tchadiennes, prévues en 2015 puis annoncées en novembre 2018. Ces scrutins ont été ajournés pour la troisième fois. Une situation décriée par l'opposition qui dénonce un manque de volonté du gouvernement. Clôture ce mardi 4 septembre du troisième sommet du Forum sur la coopération Afrique-Chine à Beijing. Une rencontre fructueuse puisque la Chine s'est d'ores et déjà engagée à verser 60 milliards de dollars en faveur du développement économique des pays africains. Et puis le tournoi qualificatif pour la CAN de football 2019 des moins de 17 ans a débuté le 2 septembre pour la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo. Retour sur cette rencontre en fin d'édition. Au Tchad, des multiples reports de l'organisation des élections législatives inquiètent l'opposition. Celle-ci dénonce le manque de volonté politique du gouvernement à respecter les échéances électorales. La majorité, quant à elle, juge ces reports légitimes compte tenu de la situation économique du pays. Reportage notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018 est reportée pour une date ultérieure, faute de moyens financiers. L'appel du chef de l'État Idriss Déby Itno aux partenaires internationaux n'a pas eu de suite, alors que le mandat de l'actuelle législature est expiré de plusieurs années. Une situation devenue inquiétante pour la classe politique. Le président Déby ne voulait pas organiser autre chose que l'élection présidentielle pour qu'il ne tombe pas dans une situation d'illégalité. C'est sa situation qui l'a toujours intéressé par rapport à la situation du pays et du peuple tchadien. Pour la majorité présidentielle, le gouvernement est techniquement prêt à organiser les élections législatives, mais le problème actuel de trésorerie ne permet pas au pays d'honorer cet engagement dans le délai prévu. Il nous faut mettre la CENI en place, il faut, dans la mesure où il faut revisiter les fichiers électoraux, il faut aussi revoir le matériel informatique, etc. etc. Et ça va être très difficile. Mais dans tous les cas, un délai raisonnable, même si on doit déborder légèrement 2018, je pense qu'on peut espérer que dans le premier trimestre 2019, nous pouvons pouvoir réaliser. Pour rappel, l'organisation des élections législatives au Tchad est reportée pour la troisième fois consécutive, alors que le mandat de député est passé de plus de trois ans. 60 milliards de dollars, c'est ce que promet la Chine à l'Afrique. L'engagement a été pris ce lundi 3 septembre au cours de la première journée du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'achève ce mardi à Beijing. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, entend consolider son influence économique et politique sur le continent. Matida Diaby. En deux décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Le Forum sur la coopération sino-africaine, ouvert ce 3 septembre 2018 à Beijing, est une nouvelle occasion pour les dirigeants et autres représentants africains de tirer davantage profit de ce partenariat stratégique. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de rencontrer les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. Une marche de soutien au président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est tenue le 2 septembre à Bamako. Une mobilisation en réponse à la manifestation de l'opposition du 1er septembre qui conteste toujours la réélection du chef de l'État pour un second mandat. Reportage notre correspondant Maktar Bari. Après la série des marches de l'opposition pour dénoncer le mauvais déroulement des élections,
autour des partisans du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta de descendre dans les rues de la capitale malienne pour se prononcer sur la situation politique du pays. De la place de la liberté à la bourse du travail, plusieurs milliers de personnes ont scandé des slogans de soutien aux institutions républicaines. Nous apportons notre soutien aux institutions de la République du Mali. À travers cette marche aussi, nous apportons notre soutien aux premières institutions de la République du Mali, à travers le président de la République. Nous disons non à l'anarchie, nous disons non à la violence. Les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Place au travail, place à la cohésion nationale. Les manifestants ont appelé leurs adversaires de l'opposition au respect du verdict de la Cour constitutionnelle, donnant le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, vainqueur du scrutin présidentiel. Nous avons mal estimé un moment que la confirmation de la communauté internationale était une raison suffisante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut sortir pour prouver que ce que le monde a donné comme jugement sur le processus électoral trouve sa justification dans la population malienne. Nous sommes sortis massivement, nous sommes sortis pacifiquement, nous sommes sortis démocratiquement, nous sommes sortis calmement pour demander au peuple malien de respecter la voix des urnes, pour demander à l'opposition, à l'ensemble de la classe politique, de respecter le verdict des urnes, de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de respecter les institutions et les règles démocratiques. Ces marches et contre-marches rythment le quotidien des Maliens depuis le début du processus électoral. Le président Ibrahim Boubacar Keïta prête serment ce mardi 4 septembre au Palais de la Culture de Bamako. Souvent confrontée aux difficultés d'accès au financement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de venir en aide aux femmes entrepreneurs. Pour ce faire, la CEDEAO va promouvoir l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires en créant un réseau pour leur permettre de mutualiser leurs efforts. Et précision dans ce reportage, notre correspondant Olivier Conan. Vers l'autonomisation des femmes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à un réseau de femmes entrepreneurs. Elles représentent près de 50% de la population totale, mais sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. La CEDEAO veut donc impacter 50 millions de femmes par la création d'un réseau dédié aux femmes d'affaires. Nous avons des axes d'intervention dans ce domaine, notamment à travers des programmes d'accompagnement pour les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles, en termes aussi d'accompagnement pour la prise en charge de quelques problèmes liés à la santé reproductive des femmes, comme notamment le problème de la fistule obstétricale dans la région. Pour y arriver, la Fédération des femmes d'affaires entrepreneurs fédère les compétences féminines dans les 15 pays de la CEDEAO. La Banque africaine de développement apporte un financement de 8 milliards de francs CFA. Nous faisons des ateliers, des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes entrepreneurs puissent encore s'aguerrir du management et que celles qui n'ont pas encore osé entreprendre, qu'on les encourage à entreprendre et que c'est par là qu'on peut avoir l'autonomisation réelle et financière de la femme. Selon un rapport de la Société financière internationale, 70% des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas suffisamment des services des institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce déficit est de 20 milliards de dollars. Le 2 septembre, la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines a débuté son tournoi qualificatif en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 qui se tiendra en Tanzanie en 2019. Le match d'ouverture a opposé le Niger au Togo, match qui s'est soldé par un score nul, 0 but partout. Le résumé dans ce reportage en correspondance à Doualize Mokhtar. Score nul et vierge, 0 but partout entre le Niger et le Togo à l'ouverture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17 de la zone UFOA-B. Le MENA, qui a dominé la première partie, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets jusqu'au terme du temps réglementaire. Prendre un carton rouge presque à 40 minutes de la fin des matchs, je dis bravo, parce que même si on est prêt physiquement, ça va être très difficile. On a eu deux sorties encore qui n'étaient pas prévues dans notre plan et suite à des blessures. Et quoi qu'on dise, on était agressif parce qu'on était volontaire, on avait envie d'aller au charbon et il voulait se faire plaisir et faire plaisir au peuple nigérien. Après l'expulsion du défenseur nigérien Laoli Soule Mustapha, le Togo aurait pu profiter des 35 minutes durant lesquelles l'adversaire a joué en infériorité numérique. Mais les Éperviers ont été confrontés à un adversaire déterminé et soutenu par son public.
On a essayé quand même de le titiller par une situation offensive, mais qui n'a pas touché les filets. Donc l'idée n'est pas de freiner le jeu, l'idée n'est pas de chercher les maintenus, mais en face on a eu un adversaire qui a joué le jeu. La prochaine rencontre de la poule A opposera le 5 septembre le Niger au Ghana. Le Togo lui jouera contre le Ghana le 8 septembre, tandis que dans la poule A, le Nigeria croisera les crampons avec la Côte d'Ivoire le 6 septembre après le duel de ce 3 septembre face au Burkina Faso. A rappeler que le Bénin a été disqualifié de la compétition après que des examens IRM aient révélé des fraudes sur l'âge de 10 des 18 joueurs convoqués pour la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.